Alors, quand j'ai commencé à écrire le manoir, c'est en fait à la jonction de plein d'idées, comme souvent les romans de toute manière. Mais là, je pense que je n'aurais pas pu l'écrire si j'avais eu 30 ans de moins, par exemple. C'est parce que j'ai écrit beaucoup de romans historiques, beaucoup de romans un peu fantastiques aussi, de tas de choses, que finalement j'ai eu l'idée de ce manoir. Je pensais qu'effectivement on pouvait le mener assez loin, mais je ne savais pas encore combien de tomes il y aurait. L'éditeur, bon, Bayard, quand il a lu, j'avoue, m'a donné la réponse tout de suite emballée et m'a dit ça va marcher. Enfin, j'ai eu vraiment confiance dans le manoir. Et moi, j'avais plein d'idées parce que dans le manoir, il y a toujours des personnages nouveaux qui arrivent, qui sont à la recherche d'eux-mêmes, puis à la recherche d'autre chose, de ce qui est réellement arrivé. Et il y a 1000 possibilités, quoi. Alors, dans chacun, c'est quelqu'un, un nouveau personnage qui raconte. C'est l'histoire de nouveaux personnages. On retrouve les anciens, mais les anciens évoluent aussi. Ils ont résolu leurs problèmes. Ils vont aider les autres. Enfin, c'est très riche et j'ai encore plein d'idées, mais je pense qu'il faut que je m'arrête. Là, j'en écris encore un, je suis sur le dernier, et ça va s'arrêter, je pense, là. Je laisse parce que j'aime bien aussi changer de registre et je pense que j'en ai dit beaucoup. J'écris juste à ce que j'ai vraiment assez de choses. Par exemple, la première série se passe entièrement dans le manoir. Je ne savais pas combien il y en aurait, 3, 4, 5 et finalement il y en a 6 parce que je pensais avoir assez d'idées pour que ça soit à chaque fois original, ne pas me répéter, qu'il y ait quelque chose de plus. Je ne veux pas que ça tourne en rond. Et à partir du 6e, je me suis dit, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le manoir, maintenant ils vont s'en aller. Et donc j'en envoie la moitié en exil. Plus de la moitié d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si on peut appeler le roman fantastique. Il y a un côté paranormal, mais dans la mesure où vous admettez qu'ils sont fantômes, tout est normal, tout paraît normal. Certes, ils sont morts, mais tout paraît normal. Alors après, ben, y a une logique. Alors il y a des événements historiques, parce qu'il y a des personnages qui viennent de toutes les époques. Il y a un côté historique, mais on est en même temps dans le monde d'aujourd'hui. Si bien que ça amène à la lecture, je m'en suis rendu compte, des lecteurs qui n'iraient pas vers le roman historique a priori, et qui là, je ne sais pas, se rendent même pas compte qu'il y a de l'historique dedans. Enfin, c'est très amusant. Et moi, j'adore parce que j'adore me documenter. Donc, il y a un gros travail de documentation parce que dans chacun, il y a des personnages très divers qui viennent d'époques très diverses. Et c'est pour ça que je dis que j'aurais pas pu l'écrire plus jeune. Je crois qu'il faut déjà savoir énormément de choses et puis aimer fouiller dans l'histoire parce que il y a plein d'époques différentes. Même dans chaque roman, il y a plein d'époques différentes. De mes projets. Oui, j'ai des petites idées. Mais alors ça, je n'en parle pas avant que les choses soient finalisées, etc. Donc j'ai plusieurs projets. Déjà, j'ai un album qui va sortir chez Didier. Et puis, j'ai un autre roman qui va sortir. Mais bon, tant que ce n'est pas sorti, voilà. Et puis, j'ai une autre idée pour après le manoir aussi, à commencer. Mais je n'en parlerai pas. Moi, ce que j'ai aimé quand j'étais enfant, c'était Gula. Et Gula, fille de la colline. Enfin, peut-être que si je les relisais aujourd'hui, je serais déçue, j'en sais rien, c'est très possible. Mais quand j'avais 10 ans, c'était vraiment mon héroïne préférée parce que c'était une petite fille, en réalité, une fille de seigneur. Mais enfin, bon, ça, c'est d'un classique, je m'en rends compte maintenant. Mais ça fait rien, c'était... on l'avait découverte, abandonnée, et on ne savait pas qu'elle était la fille du seigneur. Donc, elle est élevée vraiment... un peu comme une petite Cosette, quoi, voilà. Donc Cosette, c'est ça aussi. Isée, il y a quelque chose de ça aussi, finalement. Mais bon, c'était plus, je dirais, bas de gamme. Non, je ne veux pas dire ça, parce que c'est quelque chose qui était avant, donc qui n'avait encore jamais été inventé, sans doute. Mais c'était plus grossièrement ficelé, hein, si on veut, voilà. Et puis, même quand elle le trouve, Isée, quand elle le découvre, ça ne la sert pas, en réalité. Ça ne la sert pas du tout.